Alors, Rachi, l'œuvre d'art dédiée à Odilon Kiembe Kasuili, Moufankolo, trône dans une parcelle de la commune. Depuis plusieurs mois, elle attend que le gouvernement paie les travaux de sa réalisation pour finalement vivre à la place des artistes au carrefour. Des coups de nettoyage et ponçage, à la Roachie, ces artistes scrutent régulièrement cette figure pour en parfaire toutes les lignes. A raison, l'œuvre d'art qui impose tous ses soins est dédiée à Odilon Kiembe Kasuili, alias Moufankolo, l'une des grandes figures du théâtre katangé. Ça nous a pris presque deux mois. Pour le finissage, de deux mois plus deux semaines, c'est donc 2 mois et 15 jours. Et la matière que nous avons utilisée ici, ça s'appelle le semi-marbre. Semi-marbre, c'est la poussière du marbre. Mélangé avec l'époxy et le silicone. Et nous avons sablé ça en bronze. Beaucoup de temps et de dépenses, mais dont ces artistes n'ont pas encore eu le fruit. L'œuvre d'art étant faite et sur commande, les autorités provinciales voulaient ainsi immortaliser Moufankolo Aleza. Ça fait maintenant plus ou moins une année et 8 mois qu'on est là. Mais on voit le peuple qui sont en train de s'agiter derrière nous. Bon, pourquoi est-ce que vous enfermez encore jusqu'aujourd'hui dans votre parcelle? Nous avons dit non, ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau de grands chefs qu'on doit résoudre ce problème. Parmi les mouchoirs qui seraient en train de s'agiter, beaucoup ne veulent simplement pas voir Moufankolo Aleza connaître une seconde mort. D'ici le 30 juin, ça va pratiquement faire 2 ans. Nous ne comprenons rien. Moufankolo, c'est quand même l'une des grandes figures du théâtre au katangé. Dans l'hypothèse où le gouvernement paierait les travaux de réalisation, cette œuvre d'art vivra à la place des artistes. Elle pourrait ainsi réactiver l'image de Moufankolo Aleza dans la mémoire des Louchois.